On a fait cette nouvelle cuisine, ça nous a donné des idées au niveau de la cuisine, au niveau des cuissons et des assiettes qu'on avait envie de maintenant, c'est-à-dire des assiettes vraiment plus axées sur le produit. On a fait un saumon qu'on va faire mariner dans un premier temps au sel, sucre. On prend un filet de saumon, label rouge de Norvège, on le taille en bandes, on enlève la peau, on va le mettre dans une gaze, mais pour le protéger, et on va le mettre dans le sel, on va le recouvrir. On va le mettre au frais pendant 2 heures. Ensuite, une fois qu'on a terminé cette étape-là, on va l'enlever. On va enlever le saumon, donc il va avoir perdu un peu de son eau, il va avoir un cuit un peu en surface. On va l'enlever, on ne va pas le rincer, c'est pour ça qu'on a mis cette gaze. Et on va préparer un mélange autre, avec du verre de concombre, pistou de wasabi. Cœur de miso, on va mélanger. On masque complètement. Ça sert à rien d'en mettre une grosse épaisseur. À chaque opération qu'on fait, ce saumon est beau. Et chaque fois qu'on en goûte un morceau, il est bon. Ah ouais. À toutes les étapes. À toutes les étapes. Donc on a terminé une autre étape. Donc on va le protéger d'un papier film et on va le mettre 12 heures au réfrigérateur. Une fois qu'on l'a sorti du réfrigérateur, qu'il a fait ses 12 heures de marinade, on prend le filet de saumon. Faut surtout pas le laver. Voilà. Deuxième phase, c'est la cuisson. On va tailler un morceau d'un centimètre et demi à peu près d'épaisseur. On va faire une cuisson à 125 degrés, aller-retour. Dans une sauteuse à induction. C'est une cuve à intégrer dans le meuble où toutes les parois chauffent à la température qu'on désire. On n'agresse pas le produit là. On va voir la cuisson qui va monter au fur et à mesure. Il a cuit par la marinade mais il reste en suicide et non chauffé au centre. Pour le dressage, on a besoin donc du verre de concombre et de la menthe. C'est présenté comme de la pâtisserie. Regardez. Et puis Jérôme, avant, ton papier là, tamponne le dessus. Donc le peu de gras qu'il y a en trop, ben on l'enlève. C'est de la gastronomie diététique pratiquement. Parfaitement le goût du saumon et toutes les épices que vous avez mis, le citron vert et tout ça dans la cuisson au départ, on les met dans le saumon. Ouais, tout à fait. Il est en périphérie de. En périphérie, c'est bien. Ouais, en bouche, ouais. Très agréable.